Ah, moi je dis cocorico. Ah, le soleil, ce n'est pas une lumière. Il ne sait même pas quand il doit se lever. Poulailler. Ah, moi je dis bonjour mesdames. Oh, oh là 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 là. Oh, c'est pas possible. Oh. Et moi je dis encore en retard, Miss Prissy. Je suis désolée, j'ai raté mon bus. Je crois que ces neurones aussi ratent souvent le bus. Allons, mesdames, c'est le moment ni de glousser ni de caqueter. Nous devons accélérer la production pour Pâques. C'est le rush, mesdames. Oh, cette semaine, on a déjà tellement d'heures sup. Quant à vous, Miss Prissy, ça fait des mois que vous n'avez pas pondu un peu d'œuf. Je sais, je suis toute tourneboulée. Si vous me pondez encore des œufs comme celui-là, je vais vous envoyer en poulailler de retraite, moi. Alors toi tu me ponds un œuf rouge, toi tu me ponds un œuf bleu. Et toi, tu me ponds un œuf vert. Et vous me pondez un œuf turquoise. Oh non, ce sont les plus difficiles. Concentrez-vous sur la forme. La forme. Oh, elle en tient une couche, celle-ci. Elle m'épuise. Peut-être que si je me concentre un peu plus. Cote. Oh, encore une bévue. Ce n'est pas la bonne couleur. Je ferais mieux de m'en débarrasser avant que le patron ne le voie. Tu parles d'une vie, non, c'est pas vrai ça. Obligé de faire les poubelles, manger les restes des restes. Oh, si j'avais ne serait-ce qu'un peu moins de chance, je crois bien que je décéderais. Mais au moins t'as un ami, hein, et avoir un ami c'est important. Bien dit. Un véritable ami c'est très dur à trouver. Alors que les faux amis, ça court les rues. Un vrai copain, ça donne un coup de main. De plus, mon horoscope me dit que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Ah ben, on dirait un œuf d'or. Un œuf d'or ? Un œuf d'or ? T'as bien dit un œuf d'or ? Eh ben non, j'ai pas dit, j'ai quelque... Mais qu'est-ce que tu casses derrière ton dos ? Les amis, ça doit tout partager. Mais je casse rien du tout d'abord. Voyons voir, c'est rien. Hein ? Va-t'en. Mais non, regardez, vous ne me faites pas confiance. J'ai rien. Eh ben, fais voir cet autre rien. Oh ben, je suis profondément peiné de constater qu'un sentiment de suspicion fasse irruption dans notre relation. Cette marque de méfiance à mon égard est un affront à mon intégrité. Oh, ta suspicion fait tasse. Une grosse tasse indélébile sur notre vieille amitié, hein. Mais qu'est-ce que... Mais j'ai mon œuf d'or, là. Alors là, ça m'étonne, le monde est vraiment plein de surprises. Tu ne mérites absolument pas ma confiance. Mais quoi, je l'ai vu en premier. Oui, et ben maintenant, il est à moi. Oui, mais nous sommes associés, donc on partage tout 50-50. Ça a toujours été comme ça. Donne et tu recevras. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. L'honnêteté, c'est ton credo. Sylvestre, rends-moi mon œuf, donc. C'est bizarre parce que des fois, ça marche. C'est à moi, rien qu'à moi, je suis riche, affreusement et vulgairement riche. Maintenant, t'es plus qu'affreux et vulgaire. Et... Mais c'est quoi ça? On dirait un gros caillou. On m'a volé! Qu'il soit maudit! Ah, ben voilà, ça y est, il est maudit. Bien fait. Taxi! Taxi! Sur la Côte d'Azur, chauffeur! Et en vitesse! Ah, mon petit œuf, tu es un passeport pour mon luxueux futur! Les pépettes, c'est tout ce qui compte maintenant! Wouhou! L'hiver à Monte-Carlo, l'été à Martha's Vineyard, la nouvelle star de l'élite mondiale, l'avidité, c'est mon péché! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai cru voir quelque chose. Transporter cet or me rend nerveux. Ça recommence. Tout le monde en veut à mon or. Deviendrai-je paranoïaque comme tous les milliardaires? Ah, ça y est, ça revient. Bon allez, il faut que je me calme. Oh, il faut pas que je craque maintenant. Hein. C'est vraiment pas le moment. Oh oh. Stoppez cette voiture! Mais allez, lâche-moi cet œuf! Il faudra d'abord me passer sur le corps.
ça ferait des saletés. Je préfère la technique de la chatouille chinoise. Merci beaucoup. Oh non, non, mon canard, rends-moi cet œuf. Là-bas, regarde, voilà notre œuf. Oh, te voilà, mon jaune ami. On ne se quittera plus jamais. Car toi et moi, c'est pour la vie. Pas tout à fait. Ah, ben te voilà, justement, je te cherchais partout et puis je t'ai pas trouvé. Écoute, il faut qu'on planque notre œuf. Hein. Les rues sont pleines de voleurs. C'est une super idée, d'ailleurs, et je pense que tout va s'arranger. Hein. Oui, et ben elle a intérêt à être bonne. Première partie du plan, peindre l'œuf en blanc afin de le rendre semblable à un œuf de base non orifère. Et après? Après, on cache notre œuf dans un poulailler, puis on revient le chercher demain matin. Et c'est ce que l'on appelle dans le jargon des savants, du génie. Je ne suis pas que beau, je pense. Regarde! Notre œuf est dans ce camion! Notre œuf! Arrêtez ce camion! On vous achète tous vos œufs! Arrêtez! Oh là là, le bon œuf doit bien être quelque part! Oui, et ben si on le trouve pas, tu vas manger la plus grosse omelette de toute l'histoire des omelettes, je te le dis! Oh, c'est très amusant!